to your favorite modern world. Tout le monde. Il n'est pas évident de s'y retrouver parmi toutes les éditions que propose David Kerstner sur Bandcamp. The Traveler se décline en effet en 7 versions différentes sur la plateforme de streaming, entre Super Deluxe, ARS 24 96K, Singles Digital EP, Special Editions et autres. Pour ma part, je me suis contenté de la version standard, après bien des tergiversations. J'ai connu David du temps de Sound of Contact. En 2014, il sortait son premier album solo, New World, qui, je l'avoue, ne m'avait pas franchement convaincu, contrairement au magnifique Static arrivé 3 ans plus tard. J'hésitais à commander The Traveler parce que David venait de sortir Heartland Mines Volume 1. Ce qui m'a décidé, paradoxalement, c'est le titre « A Time in Your Heart » qui me rappelle furieusement l'album « Abacab » de Genesis, que je n'aime pas du tout. Il est d'ailleurs possible que je vous parle beaucoup de Genesis et des Beatles dans cette chronique. The Traveler poursuit l'histoire commencée dans New World, ce qui à la base n'était pas forcément une très bonne nouvelle. En effet, le premier opus, furieusement flaudien, se diluait beaucoup, tout particulièrement dans sa version deluxe, aux 23 titres, dont le dernier qui culmine avec 21 minutes quand même. Ici, dans sa version standard, pas de folie, seulement 9 morceaux de 2 à 6 minutes qui séduiront les prog-heads grisonnants comme moi. Il faut dire qu'il y a clairement un air de déjà entendu dans les mélodies de The Traveler. Un côté Ray Wilson pour le premier titre, Another Lifetime, du Abacab et du RPW dans A Time in Your Mind, ou du And Then There Were Three sur Here and Now Part 2, pour ne citer que ces 3 morceaux. The Traveler s'écoute remarquablement bien, sans doute parce que du beau monde joue avec David. Voyez plutôt Randy Maxtin, Nick DeVigerlo, Mark Minneman, Billy Sherwood, John Davidson, Durga McBroom, pour n'en citer que quelques-uns. Au début de la chronique, je faisais référence aux Beatles. Ce n'est pas pour parler ici de l'affligeant Now and Then, mais de Better Life, où vous reconnaîtrez peut-être des couleurs propres aux 4 garçons dans le vent. Sur The Traveler, vous entendrez également de beaux arrangements au violon et violoncelle, comme dans les 2 parties de Here and Now. Une belle manière d'enrichir la partition sans la saturer de synthé. The Traveler n'était pas vraiment programmé dans mon agenda musical, principalement parce qu'il s'agit d'un album de 2022, mais après l'avoir fait tourner en boucle à la maison comme au travail, j'ai eu envie de le partager avec vous. Vous pouvez le découvrir dans toutes ses versions sur Bandcamp, et si je ne craignais pas de payer plus cher de taxes et de frais de port, je l'aurais certainement commandé en CD. C'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour dire que vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez suivre les prochaines, abonnez-vous. À lundi prochain. Bisous.